Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud. Moi ça va bien. Les potos, petite vidéo sur une tenue haut de cosmonaute avec le bas sorti de cosmonaute, chaussures retour à la ligne, cheville invisible, ceinture de police et casque d'aviateur orange. Les potos, je profite de cette vidéo pour vous dire que je remercie tous les abonnés. Je vous remercie de me suivre, c'est vraiment apprécié les potos, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je tenais à vous le dire les potos. Donc pour ce glitch, il va falloir qu'on récupère un masque de Krampus. On a récupéré un masque de Krampus sur le personnage féminin. Là, on va lui composer une tenue. On va composer une tenue sur le personnage féminin. À la fin du glitch, ça va transférer les codages des vêtements sur le personnage masculin. Et sur le personnage masculin, ces codages correspondent à d'autres vêtements. Donc les potos, on va prendre le personnage féminin, on va aller dans un magasin de vêtements, on va composer une tenue. On va aller dans les hauts, on va aller dans T-shirt trafic d'armes, on va lui prendre le T-shirt trafic d'armes retroussé, camo bleu numéro 12. T-shirt retroussé camo bleu. Puis on va aller à blouson de sport. Dans blouson de sport, on va lui mettre la doudoune bleue peinte numéro 6. Doudoune bleue peinte. Numéro 6. On va aller dans les pantalons. Pantalon guerre d'arène. Pantalon guerre d'arène. Chaîne camo vert numéro 45. Pantalon guerre d'arène. Chaîne camo vert numéro 45. On va aller aux chaussures. On va aller dans bottes, on va aller dans bottes ouvertes chocolat numéro 33. Bottes ouvertes chocolat. Bottes ouvertes chocolat numéro 33. On va aller au chapeau, on va aller dans casque de combat. Une fois dans casque de combat, on va prendre le casque infirmier numéro 62. Casque infirmier numéro 62. Là, on a composé notre tenue. Là, ce qu'on va faire, on va se rendre à un télescope. Vous pouvez vous mettre en visée libre et vous déplacer via les activités. Ça sera plus pratique pour faire les va-et-vient. Donc là, je me déplace via les activités, je suis en visée libre. Au télescope, je vais mettre d'abord le masque de Krampus. Puis je vais me mettre dans le coin du télescope, je continue à marcher, je fais flèche de droite et j'appuie sur le pavé tactile. Et je reste appuyé, le pavé tactile s'ouvre. Accessoires, casque. Je vais mettre le casque de combat infirmier. Quand on s'éloigne du télescope, on a le casque et le masque. Donc là, je me rends à la course contre la montre. Il n'y en a qu'une dans la session et chaque semaine, on le change d'endroit. Je me place au milieu, je fais flèche de droite pour lancer la course. Une fois que la course est lancée, je fais touche option, en ligne, choisir personnage, changer de personnage. Là, je vais prendre le personnage masculin. N'hésitez pas avant à lui mettre une tenue standard au personnage masculin. Voilà. Et là, j'apparais dans la session. J'ai la tenue sur moi. Je vais la sauvegarder dans un appartement, dans un magasin, où vous voulez, selon où vous avez mis le point d'apparition. Voilà, ceinture de police, chaussures de tronc, cheville invisible. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!